Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et pour les autres aussi qui ne parlent pas le français et qui voudraient l'apprendre puis qui, qui sont curieux, venez nous rejoindre, n'y vous pas. Don't be shy. Chers amis, c'est le 6 mai 2019, 11h16 heure du Québec. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La radicalisation, la polarisation de nos sociétés. C'est devenu insoutenable. Il faut absolument qu'on reprenne le contrôle du narratif, nous, les gens sains d'esprit. Autant du côté de nos amis hein, qui proviennent des autres pays que de nos propres citoyens. Il hein. faut qu'on reprenne le contrôle. Il faut qu'on enlève le microphone des mains des deux clans puis des radicaux. Il faut qu'on. Les antifas, les black blocs, puis tous les autres extrémistes de la gauche, parce que c'est eux autres qui dérangent tout le monde toujours. Il faut qu'on leur trouve un emploi. Il faut qu'on leur trouve un job, comme ça, ça va leur changer les idées. Comme le disait ma mère, loisiveté est très mauvaise conseillère. Donc, si ces gens-là travaillent, ben ça va leur donner d'autres occupations que celle de briser les pompons de tout le monde. Puis les autres radicaux de l'autre côté, bien, c'est important que les gens modérés se lèvent debout des deux côtés pour dire assez énergumènes-là, assez c'est assez. Ceci étant dit, on le sait qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent socialement, il y a beaucoup de choses qui se préparent militairement et il y a beaucoup de choses qui se préparent au niveau événement cataclystique, cataclysmique. On voit les gouvernements se préparer de mettre des applications disponibles pour des des alertes aux tsunamis, des alertes aux astéroïdes, des alertes aux tremblements de terre, des alertes pour toutes sortes de choses. Ça veut dire que on est en train de préparer le monde à quelque chose de majeur, puis on a tous cette espèce de sixième sens qui nous confirme un peu tout ça. Là maintenant, tu as la NASA qui nous prépare à l'arrivée de l'astéroïde, le dieu du chaos. La NASA commence déjà à préparer l'arrivée. De l'astéroïde appelé le dieu du chaos, l'astéroïde s'approcherait de la Terre et vraiment de notre planète hein, en 2029. Ce pas si loin, ça peut être plus vite, ça peut être plus long, mais ça peut être n'importe quand aussi. Le nom officiel de l'astéroïde 99942 Apophis, il s'agit d'un astéroïde de 1110 pieds de large nommé, d'après le dieu égyptien, du chaos. Et il volerait aussi près de la Terre que certains scientifiques du vaisseau, du vaisseau spatial en orbite. Wow! 99942 Apophis arrivera dans les 19 000 km de la Terre le 13 avril dans 10 ans. Mais les scientifiques de la conférence de défense planétaire se préparent déjà pour la rencontre, a rapporté Newsweek. Ils prévoyaient de discuter des effets de l'astéroïde sur la gravité de la Terre, des opportunités de recherche potentielles et même de la manière de dévier un astéroïde entrant dans un scénario théorique. L'astéroïde sera visible à l'œil nu et ressemblera à un point lumineux en mouvement, selon la NASA. Il passera sur les États-Unis en début de soirée. Selon le WUSA 9, 99942 Apophis a été découverte en 2004 et après l'avoir suivi pendant 15 ans, les scientifiques disent que l'astéroïde a une chance sur 100 000 c'est quand même beaucoup, cela, de frapper la Terre dans des décennies, mais dans un avenir assez lointain, vers 2060. La préparation des... contre les... Hein, les... les dangers des astéroïdes est devenue un véritable passe-temps pour la NASA. La NASA va utiliser une simulation d'apocalypse d'astéroïdes pour aider l'agence spatiale à se préparer à cet événement cataclysmique. Et ils prennent cela au sérieux alors que les planificateurs, en cas de catastrophe de la FIMA, rejoindront la NASA pour une répétition générale de ce fameux jour du jugement dernier, le Doomsday. Des partenaires internationaux dans l'Agence spatiale européenne participeront également à la simulation. L'exercice est censé être une, un exercice sur table qui simulera à quel point une urgence astéroïde planétaire se déroulerait en temps réel bien qu'une situation d'urgence de cette ampleur ne, se so ne soit jamais produite. Des facteurs tels que l'emplacement de l'impact auront un effet considérable sur la réaction à un événement aussi catastrophique à l'échelle mondiale. Selon le Métro Britannique, les planificateurs des catastrophes de la Federal Emergency Management Agency, la fameuse FEMA, se joindront à la NASA pour organiser une apocalypse imaginaire destinée à informer les acteurs concernés des aspects importants d'une catastrophe éventuelle et identifier les éléments nécessaires pour mener à bien une intervention efficace. Le scénario débutera avec les, la prémisse fictive voulant que le 26 mars, des astronomes aient découvert un objet proche de la Terre, une comète ou un astéroïde situé à moins de 30 millions de kilomètres de la Terre et qu'ils considèrent comme potentiellement dangereux pour la Terre. Wow. Cette simulation récente concernait un autre astéroïde nommé 2019 PDC. Vraiment, vraiment inquiétant. La NASA se prépare à l'arrivée de l'astéroïde, le dieu du chaos. 2000, 2019. Un astéroïde de 1110 pieds de large. Wow. Et qui pourrait se retrouver à seulement quelques 19 km de la Terre le 13 avril dans 10 ans. Êtes-vous prêts Ça s'en vient peut-être avant, ou même d'autres choses. Peut-être avant, on n'est pas au bout de nos peines.